vivait là-dedans. Pas dis-moi toi. L'alliance, les peuples est venue pour nous raconter la vérité. Manj Goubine, il y a un article de presse ce matin, notamment l'Express, côté de la grave allégation contre un candidat de l'Alliance du Travail, c'est même Mme Sibon, que tu peux dire, supposément, qu'il y aura une tentative pour donner de l'argent pour acheter un électeur. Donc, nous avons une analyse par rapport à l'article, et deuxièmement, brave électoral, c'est quoi? Ben, le tout à fait que nous avons connu, est-ce qu'il peut pratiquer là en ce moment? Oui. Mon pas connaissance de l'article de presse, et moi aussi pas connaissance qui est dans Henry Colling en circulation, que tant la voix de la personne en question fait une offre d'argent, une promesse pour un retour, pour un retour recevoir un vote. C'est exactement ça le bribe électoral. Le candidat a le droit de convaincre l'électeur par ce argument, par ce programme, mais certainement pas pour une promesse d'argent, une promesse de travail ou un cadeau. C'est ça le bribe électoral. Donc, suite à l'élection de Ashok Dragnet en 2005, dans la circonscription numéro 8. Alors ça, ça jusqu'à Privy Council. Et le Privy Council finit confirmer que côté dans N, ce qu'on appelle en latin le quid pro quo, c'est-à-dire un échange cadeau argent contre le vote. C'est ça le bribe électoral. Et ça, c'est pas autorisé. C'est ça qui amène la Cour Privy Council casse l'élection. De Ashok Dragnet. Là-bas, c'était des promesses d'emploi, c'était des emplois. Healthcare assistant, c'était aussi d'autres cadeaux, off ici, off là-bas. Ceci dit, nous retournons à l'article de presse. Ce n'est pas la première fois que nous trouvons comme ça, il arrive une situation où il y a une cause comme ça, il y a un recording. Rappelez-vous, il y a un autre cas encore, quand il y a un PPS, mon quoi en fonction. Voilà, c'est lui. Quand il dit oui pour sans règlement, puis il y a si pour recrute 10 moun travailliste, etc. Quand ensuite il s'est dérobé par la petite porte avec une explication à tomber des nus. Et quand ben, l'autorité est abandonnée, pas fin, fait rien, comme sanction, pas fin, mais ben, l'enquête, ben, sham of inquiries, et que pas fin, il n'y a aucune sanction. Si nous continuons comme ça que mon institution comment peut fonctionner à ce là, vous trouvez que ça qu'est-ce qui vous peut faire référence rapporté ce matin dans la presse, malheureusement il n'est pas loin, la cause ça même encore une fois me peut dire, ben citoyen guette bien ce pays, l'avenir de ce pays là. Dernière partie ou question, oui. Élection, il n'est pas loin. Oui, c'est la semaine prochaine. Oui. Donc, je trouve un article de presse ce matin. Donc, quel laps de temps vous pensez qu'il y a un petit besoin à agir? Tout de suite. Justement, tout de suite, parce que l'ICAT, il n'est pas besoin d'attendre une complaint en formel. Il a le pouvoir, de tout temps, il a sa pouvoir de s'auto-saisir d'une enquête. Mais ça, on dirait l'ICAT figure quand il fait, malheureusement. Et ça t'a fait qu'il rapporté ce matin après ça. Il n'est pas un cas isolé, ça. Tous les 20 circonscriptions, moi, pas contre pour Rodrigue, mais tous les 20 circonscriptions ici, à Maurice, tous les 20, sans exception, nous peut trouver sa qualité qui est ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas réussir à mettre la mélodie en preuve tangible pour nous rapporter, mais nous pouvons trouver, nous pouvons passer en termes, même en termes de et moi, je fais ça rapport là, je fais ça rapport là à la commission électorale, que approuve une patente, je recrute ben des gens dans mon jobs, je peux faire attention, pas peux recruter dans mon government department, mais je peux recruter dans mon, si vous le cas, dit, entre guillemets, para-statal. Et n'a pas forcément government companies. Et mon pays, mon molo là. Quand tu peux gagner un contrat short-term, l'électeur, il peut gagner un short-term gain, il peut prendre un contrat 6 mois, parfois un an maximum. Et ça peut dérouler là en ce moment. Vous pouvez faire une complainte formelle? Oui, effectivement. Je vais faire une complainte formelle avec le chairman. Et le chairman, il me demande moi de mettre ça en écrit avec un cas spécifique qui est un peu plus compliqué. Parce que nous connaissons comment l'information est verrouillée à Maurice. Pas dis-moi toi, l'alliance les peuples est venue pour nous raconter la vérité.